Alors, tu es devenu chrétien. Je suis devenu chrétien, Pierre. Tu ne l'étais pas avant. Je l'étais depuis que mon père m'a baptisé, comme j'étais enfant. Mais je n'étais pas conscient ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était d'un chrétien. Et aujourd'hui, le mot chrétien est magnifique. Chrétien, ça veut dire appartenir au Christ. Et celui qui appartient au Christ aujourd'hui, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est pas que pour aujourd'hui, mais c'est pour la vie éternelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais baptisé, mais tu n'avais pas rencontré le Seigneur comme ton sauveur, comme ton Dieu, comme celui que tu aimes. Je ne l'avais pas rencontré personnellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour sur la colline de Sion, en Moselle. En plus sur la colline de Sion, c'est trop beau ça. Là, il y avait des frères qui priaient sous un petit chapiteau. Et j'étais attiré. J'ai venu voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ils priaient. Ils priaient le Saint-Esprit. Une chose que j'avais jamais pensé à faire. Et là, je me suis mis avec eux. Et j'ai prié le Saint-Esprit avec eux. Et là, c'était merveilleux parce que j'ai été guidé sous ce chapiteau. J'ai été guidé par quelqu'un. Et cette personne, c'est Notre-Dame. Notre-Dame des Gitans. Notre-Dame du monde. Notre-Dame du ciel. Marie. Elle m'a pris par la main en me montrant le chemin de son fils. Et c'est Marie qui a attiré sur moi le Saint-Esprit de son fils. Car j'irai pour moi personnellement, Marie, c'est comme un paratonnerre. Lorsque Marie est quelque part, l'Esprit Saint vient. Et on se rend compte aussi dans la Bible où l'Esprit Saint vient, elle vient de suite. Sur la Vierge Marie. Donc c'est Marie qui m'a guidé vers son fils. C'est Marie qui m'a permis de faire cette expérience avec son fils, avec notre Sauveur. Et aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je veux aller vers les gens, j'ai dit, qui sont pauvres, pauvres de prière, pauvres d'esprit, pour pouvoir aller apporter ce que le Christ veut donner à chacun, son Esprit Saint. Car je dirais, sans l'Esprit Saint, on ne serait pas capable d'annoncer l'Évangile. Car on a peur, on est frustré. Et l'Esprit nous libère. L'Esprit nous donne de la sagesse. L'Esprit nous donne la vérité. Et l'Esprit nous envoie en mission. Aller par tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Ce sont les paroles du Christ qui sont annoncées pour tous les hommes et toutes les femmes. Et pour un voyageur comme toi, c'est facile d'évangéliser? Avec l'Esprit Saint, oui. Sans l'Esprit, c'est pas facile. Car le monde d'aujourd'hui n'est pas facile à vivre. Mais avec l'Esprit Saint, on passe de partout. Parfois, on prend des coups de bâton. On a des coups de bâton de partout. Des bâtons dans les roues. Ça nous empêche d'avancer. Mais on pense que le Seigneur est avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est là, et c'est ce qui nous permet d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Pour évangéliser nos frères du voyage, nos frères sédentaires, et tous ceux qui ne connaissent pas cette parole. Cette bonne nouvelle, j'irai. Car c'est formidable. Formidable d'appartenir au Christ. Moi, aujourd'hui, je suis fier d'être chrétien catholique. Car chrétien catholique, ça veut dire chrétien universel. Si aujourd'hui on se dit chrétien,
Mais si on n'est pas universel, je pense que Jésus ne serait pas content. Car Jésus, s'il vient nous donner son esprit à nous, il veut que nous, on l'aille l'apporter aussi ailleurs. Vous avez reçu gratuitement, allez donner gratuitement. Ce sont les paroles du Christ. Donc, d'être catholique, c'est magnifique, qui veut dire universel. Voilà, Rachel. Merci, Manon.